Des preuves de contact avec des personnes installées dans les pays voisins cités auraient été établies. Le responsable djihadiste a été mis aux arrêts à l'est du Burkina en mars dernier au cours d'une opération dénommée Utapuanu, foudre en langue locale. C'est au cours de son interrogatoire que Oumarou Diallo, alias Dia Oumarou, a affirmé avoir en projet l'installation d'une cellule djihadiste à l'est avec des ramifications dans les pays voisins du sud. Selon une source gouvernementale, les autorités burkinabè ont alerté le Togo, le Ghana, le Bénin en leur demandant de prendre des mesures pour suivre les traces de certaines personnes restées en contact avec ces groupes.